En manchette aujourd'hui, l'Union des municipalités du Québec nous informe concernant des enjeux prioritaires et on débute la semaine des journées de la persévérance scolaire. Bienvenue à tous à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui lundi 15 février. Donc, l'Union des municipalités du Québec nous parle d'enjeux prioritaires. En entrevue, CTRB s'est entretenu donc avec Daniel Côté, qui est premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et maire de Gaspé. Tout cela concernant différents enjeux à l'ordre du jour de l'Union des municipalités du Québec. On écoute le représentant de l'UMQ. La Réunion des municipalités du Québec regroupe plus de 350 municipalités au Québec, de toutes les tailles, dans toutes les régions. Bref, c'est assez hétéroclite comme membership au niveau de l'UMQ. On a un conseil d'administration composé d'une cinquantaine de maires, un exécutif où on est une vingtaine là-dessus. Puis on s'occupe de tous les enjeux qui sont transcendent, si on veut, la réalité municipale. On va s'impliquer autant dans les dossiers de développement économique que dans les dossiers de garderie, que dans les dossiers d'aéroports, que dans les dossiers de changement climatique, d'environnement. On travaille à peu près dans tout parce que de nos jours, les municipalités ont le nez dans tous les dossiers. Donc, c'est un peu ce qui fait en sorte qu'on travaille tous ensemble sur plein de dossiers et que l'UMQ vient un peu regrouper ces forces-là, est devenue une grosse porte d'entrée assez intéressante auprès du gouvernement. On essaie toujours de travailler de façon constructive avec le gouvernement. C'est pour ça qu'on arrive avec plein de recommandations. On n'arrive pas avec des récriminations, on n'arrive pas en chiolant. On arrive avec des items qui peuvent changer des choses concrètes dans la vie de nos citoyens. On arrive non seulement avec les problèmes, mais on arrive avec des pistes de solutions. Donc, c'est notre façon de travailler un peu. Fait que c'est... Voilà. Parfait, merci. Le 8 février dernier, vous avez présenté vos recommandations au ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires en prévision du dépôt du budget du Québec 2021-2022. Ça fait quand même long comme introduction, mais pouvez-vous m'en parler un peu de c'est quoi ces recommandations-là? Oui, avec plaisir. Au fond, c'est qu'on a pris les dossiers qui étaient les plus prioritaires dans le milieu municipal à la grandeur du Québec. Quand on parle du milieu municipal, évidemment, on parle du palier de gouvernement le plus proche des citoyens. Donc, on vise toujours à avoir un impact significatif sur la vie de monsieur et madame tout le monde dans nos municipalités. En tout, là, on a regroupé nos recommandations en quatre axes. Donc, je peux décliner les axes assez rapidement, puis on pourra aller en profondeur sur les sujets de votre choix. Parfait. Donc, d'abord, on pense parce qu'on pense que le gouvernement devrait offrir un meilleur soutien aux citoyens en situation de précarité, par exemple au niveau de mieux outiller les services de police dans les cas de santé mentale, au niveau des logements sociaux, au niveau du programme de Réno-Région pour les personnes qui ont moins de moyens financiers que la moyenne. Ça, c'est un volet. Un deuxième volet, c'est l'appui aux entreprises pour relancer l'économie, parce que là, on parle plus dans le fond, de favoriser le commerce virtuel, par exemple, ou les achats en ligne, etc., auprès de nos commerçants, plutôt que de toujours encourager les géants mondiaux comme Amazon. Donc, il y a moyen de développer des techniques pour nos entreprises. Le troisième volet, c'est l'investissement des infrastructures. Si on inclut les garderies là-dedans, les infrastructures sportives, le transport collectif, l'Internet haute vitesse et j'en passe. Et le quatrième volet, c'est l'optimisation des institutions municipales, notamment des enjeux au niveau de l'optimisation du service 9 en 1. On parle de regroupement de services entre les municipalités également. Donc, ça résume un peu l'ensemble du portrait, mais évidemment, il y a plein de sous-sujets qu'on pourrait aborder aussi. OK, parfait. Oui, c'est ça. Si mettons, on fait plus concrètement dans ces axes-là, tu sais, pour donner une idée, c'est ça, plus concrète aux citoyens. Parfait, mais il n'y a pas de problème. Si on parle, par exemple, du programme Réno-Région, je suis certain qu'il y a plein de gens dans votre territoire qui bénéficient de ce programme-là. Souvent, il est sous-financé. En fait, si je me fie à l'expérience, je n'ai pas l'expérience des 87 MRC au Québec, là, mais chez nous, je sais qu'il y a toujours énormément plus de demandes que d'argent dans les enveloppes. Par exemple, on reçoit en moyenne, par appel de projet, environ 80 demandes d'aide des citoyens qui veulent rénover leur maison et profiter de ce programme-là, des citoyens qui sont souvent dans une situation de vulnérabilité. On reçoit à peu près 80 demandes, mais on a de l'argent pour en réaliser 10 ou 12 projets. Donc, on répond à peu près au 1/8 des besoins. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Dans les territoires que je connais, c'est beaucoup comme ça. Chez vous, je ne sais pas exactement si ça répond à la demande, mais je serais bien surpris que les enveloppes soient assez généreuses chez vous également.
Donc, vous voyez, c'est un exemple très concret de choses qu'on demande pour aider aux citoyens. Si on parle de place en garderie, par exemple, dans un tout autre domaine, là aussi, les besoins sont criants à la grandeur du Québec. Tous les maires à qui je parle me le répètent et me le disent, il faut qu'il y ait d'investissement en garderie. Je vous donne un exemple encore une fois. Sur les listes officielles du ministère de la Famille, il y a 46 000 enfants qui sont en attente d'une place en garderie à la grandeur du Québec. 46 000. Le dernier appel de projet du ministre ouvrait pour 3 000 places. Oh mon Dieu! Donc, vous voyez à quel point on est un peu en porte-à-faux. Et là-dessus, le ministre a sorti hier ou avant-hier en disant que le cadre dans lequel il doit travailler au niveau des services de garde, que son cadre de travail est désuet, il veut réformer le système. Puis là-dessus, on travaille avec lui, c'est sûr, clair, pour réformer le système, avoir plus de place, plus de flexibilité, plus d'agilité dans le réseau des places en garderie. Donc, c'est des trucs qu'on a plaidé aussi auprès du ministre des Finances. Demain, suite de cette entrevue, Daniel Côté nous parlera alors des différentes priorités de l'Union des municipalités du Québec. Il sera aussi question du projet Mérite Ovation municipale. Nous sommes présentement officiellement en pleine semaine des Journées de la persévérance scolaire, semaine qui débute donc le 15 février, qui se déroulera jusqu'au 19 février prochain, sur tout le territoire du Québec. Rappelons que le Comité régional pour la valorisation de l'éducation dans Lanaudière a décidé de faire des activités s'étendant sur 6 semaines. On parle à ce moment-là de trio extra. Depuis le début du mois de février, nous vous en présentons un chaque lundi de chaque semaine. Nous sommes maintenant à la 4e semaine. On écoute maintenant, Anne-Marie Picard, qui est directrice générale du CREVAL. La semaine du 15 février, donc là, c'est tout le reste du Québec qui se joint là, à Lanaudière. Là, c'est la semaine officielle, la journée de la persévérance scolaire. La thématique cette année, c'est « Un moment pour eux ». Donc, on invite les adultes à prendre un moment pour les jeunes puis les adultes qui sont en formation pour les encourager, pour les aider, leur donner un peu d'énergie pour terminer l'année. On sait aussi que ce mois-là, c'est un mois difficile pour les jeunes. La semaine de relâche n'est pas arrivée. Il commence cette année de l'hiver, donc c'est pas pour rien que ça a lieu la 3e semaine de février. Et là, ben, c'est la semaine Laurent Duvernay-Tardif. J'aurais dû apporter mon ballon de football. Donc, il va avoir un message de Laurent aux jeunes. Là, ça fait 3 ans que M. Duvernay-Tardif est porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. On sait que c'est une cause qui lui tient à cœur. C'est un homme qui est quand même assez polyvalent, qui a beaucoup d'intérêt, qui est encore aux études malgré qu'il a 2 emplois. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a un discours pertinent à cet égard-là. Fait qu'il va y avoir un message d'encouragement. Puis il y a aussi un événement qui est organisé dans cette semaine-là. Depuis le mois de janvier, les écoles au Québec ont été informées. M. Duvernay-Tardif organise un événement web. Les classes vont pouvoir qui sont inscrites vont pouvoir s'y brancher. Et il y a même des classes là, qui ont eu l'occasion d'envoyer des questions qui vont être posées en direct lors de l'événement. Okay. Au niveau des outils à expérimenter, mais là, c'est l'abondance. Là. Il y a beaucoup d'outils sur le site du CREVAL là, pour afficher notre participation aux Journées de la persévérance scolaire dans les réseaux sociaux, les signatures cours web, nos avatars. Vous en savez probablement plus que moi là-dessus. Mais on a aussi beaucoup de jeux sur le thème de la persévérance scolaire. Des boggles, des mots cachés. Il y a des chroniques aussi qui vont être partagées, qui vont être diffusées par nos villes et municipalités lanaudoises. C'est le creval.org, là, notre site Internet. C'est vraiment l'endroit là, pour aller chercher tous ces outils-là qui nous permettent de jaser persévérance et réussite, mais dans une activité amusante. Parfait. Rappelons que toutes ces activités sont disponibles sur le site web suivant. CREVAL, pas d'accent, CREVALE.org, ainsi que sur la page Facebook de CREVAL. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires en ce 15 février, les filles d'Isabelle, le cercle de Berthierville, souhaitent bonne fête à René Lemieux et à Claudine Dubé-Gagnon. La FADOC de l'Île-du-Pâde souhaite un heureux anniversaire à Solange Dubé, à Francine Benoît et à René Lemieux. Également, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Julie Saint-Georges. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. Donc, ce sont 276 personnes qui ont répondu présentes au rendez-vous virtuel « Je me présente » lancé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, afin d'encourager, donc, c'était lancé, afin d'encourager les jeunes et les femmes à faire le saut en politique municipale lors des prochaines élections municipales. Pour l'occasion, plusieurs personnalités du monde municipal et du milieu scolaire, des personnalités inspirantes, ont fait part de leur expérience et de leur parcours. Animé par Marie Grégoire, qui est originaire ici de Berthier, communicatrice, ancienne députée à l'Assemblée nationale, cette activité a ainsi permis aux nombreux jeunes participants, participantes, d'échanger sur le thème et d'en savoir plus sur les motivations à s'impliquer. Il a été question là, des motivations des mairesses en Audrey Boisjoli de Saint-Félix-de-Valois et Maude Laberge de Sainte-Martine. La présidente de l'Union étudiante du Québec, Jade Marcil, ainsi que la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Noémie Veilleux, ont aussi pris part à la discussion. Rappelons que les jeunes de 18 à 34 ans représentent seulement 8,7 % des candidatures aux élections municipales, c'était en 2017. Il compte pourtant pour 26,4 % de la population, d'où l'importance de les encourager à prendre leur place et à faire le saut en politique municipale. Durant ce panel virtuel, les participants ont pu en apprendre davantage sur le rôle des personnes élues au palier municipal et à être encouragés à déposer leur candidature cet automne. D'autres occasions semblables se présenteront au cours des prochains mois, puisque le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec tiendra, en collaboration avec divers partenaires, une série de séances d'information virtuelles adaptées aux réalités des différentes régions du Québec. On cite la ministre Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Elle disait « Je trouvais important que les jeunes adultes puissent avoir une occasion d'en savoir plus sur le parcours de personnalités inspirantes qui ont fait le saut en politique. En politique, donc, les élus municipaux ont la capacité de créer l'avenir, d'influencer concrètement leur milieu de vie, que ce soit pour la lutte contre les changements climatiques, le transport collectif, la vitalité économique des régions. Il y a de la place pour les jeunes, pour les femmes en politique. » Elle a continué en ajoutant Ce fut une bonne façon de mettre cela en lumière et de démystifier ce qu'il en est. J'ai été agréablement surprise
dans un contexte où les jeunes sont sous-représentés lors des mises en candidature, de voir que nous avons eu plus de 270 personnes à l'événement aujourd'hui. C'est très positif, a conclu la ministre Laforêt. De son côté, Daniel Mécan, ministre de l'Enseignement supérieur, a mentionné il y a plusieurs similitudes entre l'implication dans les fédérations et les associations étudiantes et l'engagement en politique municipale. J'invite tous les jeunes qui souhaitent changer les choses et s'impliquer dans leur communauté à réfléchir à la possibilité de se présenter aux prochaines élections municipales. La voix des jeunes doit aussi être entendue dans les lieux décisionnels, de mentionner la ministre. De son côté, la ministre Isabelle Charest, ministre responsable de la condition féminine, a ajouté « En tant que ministre de la condition féminine, je ne peux que me réjouir du succès d'un tel événement. L'intérêt grandissant des femmes pour la politique municipale est un pas de plus vers un Québec plus représentatif pour les générations futures. Notre gouvernement souhaite donc poursuivre son engagement pour favoriser une meilleure représentation des femmes dans toutes les sphères de la société pour un Québec plus inclusif et plus égalitaire. » Donc voilà pour cette activité fort importante. On poursuit maintenant avec notre confrère Xavier Lemire. Xavier nous présente sa chronique astrologique cette semaine, dans laquelle il nous parle de différents signes astrologiques. On écoute Xavier. Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est moi, Xavier, qui va vous faire la capsule astrologie comme à chaque semaine. Je vous retrouve pour vous parler de chacun des signes comme à mon habitude et on va commencer par le premier signe du zodiaque, le Bélier. Donc, le Bélier qui est né entre le 21 mars et le 19 avril. Cette semaine, en amour, eh bien, le cœur se répare de ses vieilles blessures. Ce n'est pas une période de nouveauté, c'est une période, dont on pourrait dire, d'harmonisation. Le cœur se régénère et vous allez ressentir le besoin d'aimer les autres. L'équilibre et la maîtrise des émotions sont au rendez-vous dans la vie du Bélier. Surtout dans la vie professionnelle, va falloir être très critique envers soi-même et reconnaître ses points faibles et ses difficultés. Le Taureau, qui est né entre le 20 avril et le 20 mai, eh bien, c'est une période, on pourrait dire, d'improvisation. Donc, les sentiments ne veulent pas stagner. Donc, il va falloir suivre son champ d'émotions, suivre son intuition pour avancer dans la vie. Les Taureaux recherchent toute occasion de sortir et de s'agiter. Ils veulent rompre avec la monotonie. Bon, la monotonie, on la connaît ces temps-ci. Pas mal tout le monde en est victime. Mais le Taureau, tout particulièrement, va chercher à s'en éloigner. Les Taureaux vont aussi chercher à s'éloigner de toute possibilité de conflit qui pourrait être très négatif dans sa vie. Des propositions rapides pour gagner de l'argent ne cessent d'arriver et il va falloir en profiter parce que le Taureau a un sixième sens pointu pour différencier le vrai du faux, donc les propositions qui sont propices financièrement à ceux qui sont peut-être plus des fraudes ou qui sont pas intéressantes pour lui. Pour le Gémeaux, eh bien, les objectifs en amour sont plus clairs cette semaine. Les relations intimes vibrent dans une énergie qui est très agréable et vont s'équilibrer avec les émotions plus intenses. C'est quand même une période, globalement, pas juste en amour, qui est marquée par la simplicité, par l'humilité et une bonne prédisposition au travail. Les Gémeaux vont gagner l'intérêt des personnes importantes dans leur secteur professionnel. La planète qui guide le Gémeaux reste Mercure, qui rétrograde encore cette semaine, ce qui va provoquer d'éventuels épisodes de nervosité et d'anxiété, donc il va falloir faire attention à ça. Le Cancer, bien, l'humeur du Cancer reste inconsistante. Il y a des petites sautes d'humeur, mais le Cancer en est pleinement conscient, il faut vraiment qu'il travaille dur là-dessus. Le Cancer, donc, profite de la vie, puis il va essayer un peu de mettre de côté les journées où il se réveille du mauvais pied, où il est en colère après tout le monde, ce qu'il est capable de faire, donc c'est un être très émotif, mais il va réussir à les mettre de côté puis à mieux profiter des moments positifs. Et il aura vraiment besoin de peu d'efforts pour rester à flot, donc il va pouvoir se laisser guider par la vie parce qu'il n'y a pas de grandes embûches qui s'annoncent pour lui. Le Lion, qui est né entre le 23 juillet et le 23 août. Niveau amour, ben, la situation est un peu tendue. On l'a vu les dernières semaines, là, le Lion, c'est un peu tendu en amour.
Mais faut pas oublier que faut mettre de l'action dans son couple et que ça va s'améliorer éventuellement. Le célibataire ne sera pas aussi intrépide, donc ça stagne aussi en amour pour le célibataire. Il va devoir revoir ses stratégies de conquête. Niveau travail, c'est fluctuant, donc on a des périodes de gros travail puis des périodes où il n'y a pas grand-chose à faire. Il va falloir garder son portefeuille bien fermé parce que justement, les périodes où il y a beaucoup de travail et qu'on va gagner beaucoup d'argent, eh bien, va falloir économiser un peu son bien. Le signe du Vierge, qui est né entre le 24 août et le 22 septembre, va falloir travailler en amour parce que c'est une situation qui fluctue beaucoup et ce, principalement en amour. Donc, va falloir laisser de la place un peu à son conjoint et le laisser grandir par lui-même parce qu'il va avoir peut-être une situation tendue. Va pas falloir essayer de s'insurger dans les choix qu'il va faire. Les prévisions professionnelles les plus optimistes se réalisent lentement mais sûrement. Les nouvelles arrivent au compte-gouttes, mais ça va somme toute assez bien dans votre emploi. Les balances qui sont nées entre le 23 septembre et le 22 octobre, l'amour commence cette semaine sans grand changement. Mais en milieu de la semaine, peut-être que votre attitude un peu égocentrique pourrait affecter le couple. Les influences planétaires adverses pourraient par ailleurs conduire à des ruptures soudaines. Donc, faites attention à votre couple parce qu'il y a des possibilités de rupture. Là. On ne veut pas ça, donc essayez d'arranger votre couple parce que c'est une semaine assez tendue. Il va falloir mieux planifier ses stratégies au travail aussi parce qu'il est probable que vous assumiez de nouvelles responsabilités. Scorpion, qui est né entre le 23 octobre et le 21 novembre, bien la passion et le plaisir pourraient être au centre de l'attention cette semaine. Donc, c'est une semaine où on va profiter du corps et de la liberté. Donc, c'est très, très positif. Bien que Mercure soit toujours rétrograde, il y a des nombreuses questions professionnelles et financières importantes qui avancent et se résolvent d'ici peu. Le Sagittaire, eh bien, en amour, le Sagittaire, on annonce la recherche de nouvelles émotions. Donc, le Sagittaire veut vivre de nouvelles expériences. Et les influences planétaires dans ce signe exalteront les sentiments positifs et aideront un renouveau en amour. Sur la voie professionnelle, c'est dans la bonne voie. Néanmoins, il y a une légère baisse de performance au travail. Les Capricornes, qui sont nés du 22 décembre au 19 janvier, le début de la semaine exige un ressourcement, donc un retour au monde intérieur parce qu'il va peut-être avoir des chambranlements en amour qui vont exiger peut-être de se mettre de côté et de réfléchir. Une relation passionnée et éphémère pourrait justement s'introduire et sera de courte durée. C'est une semaine très importante aussi sur le plan professionnel pour les natifs du signe du Capricorne. Le Capricorne devra assumer de nouvelles responsabilités et ses compétences pourraient le mener à un rôle de leader très prochainement dans sa profession. Le Verseau a des désirs de liberté qu'il peine à réaliser étant donné un cadre de règles et d'impositions venant de d'autres personnes. Mais néanmoins, dans le couple, on réussit à maintenir une certaine harmonie malgré ce désir de liberté. Sur le plan professionnel, il y a des opportunités qui vont se présenter et il faut régler au plus vite des tâches qui sont dues depuis quelques mois. Les Poissons, donc le dernier signe du zodiaque, né du 20 février au 20 mars, eh bien on recherche de la compréhension en amour, de la sécurité. Le Poisson a besoin d'être aimé et le Poisson va se sentir dépassé par les changements que connaît actuellement son cercle personnel. Et si vous êtes célibataire, il y a un peu un risque que vous tombiez en amour avec deux personnes en même temps. Donc le Poisson qui a besoin de beaucoup d'amour, il y a un risque à ce niveau-là. Si vous rencontrez des personnes, de pouvoir utiliser vos talents de diplomate pour se rapprocher de ces personnes-là, les écouter et apprendre à les connaître. Profitez de la journée la plus énergique, donc qui va être aujourd'hui, lundi, pour effectuer les tâches les plus lourdes au travail. L'énergie est en baisse, donc il va falloir aller chercher de l'aide s'il y a besoin pour savoir gérer ses émotions. Donc, c'était mes prévisions astrologiques pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié et on va se revoir très bientôt pour de prochaines prévisions. Merci beaucoup. Dans un tweet de la Sûreté du Québec, on nous apprend que du 8 au 14 février dernier, les policiers de la Mauricie, donc la région voisine, ont émis 13 constats au rapport d'infraction générale, dont 6 en lien avec le couvre-feu. Pour les policiers de la région de Lanaudière, ce sont 57 constats
ou rapports d'infraction générale, dont 28 en lien avec le couvre-feu qui ont été émis. Allons à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. L'hôpital de la Naudière, au CHRDL, le 12 février dernier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean Tremblay, époux de Thérèse Grégoire, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. En raison de la situation actuelle liée au COVID-19, donc à la pandémie, aucune cérémonie funéraire n'aura lieu. Au nom des employés, au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée. N'oublions pas que F. Thériault et fils invite les citoyens à visiter son site Internet régulièrement pour suivre les développements liés à la présente pandémie. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo pour le 15 aujourd'hui, donc fin de journée. La neige a débuté tantôt dans l'après-midi. Quelques flocons, moins 5, c'était agréable aujourd'hui. Lundi soir, ce soir, plutôt nuageux. Dans la nuit, la neige reprend de plus belle. Il fera moins 10, ressenti moins 17, entre 5 et 10 cm de neige. Donc, mardi matin, la neige se poursuit, moins 8. Ressenti moins 17 parce que c'est venteux. On parle de 5 cm supplémentaires. En après-midi, moins 5, ressenti moins 13, 70 % de chance de neige, donc la neige va se terminer. Entre 1 et 3 cm, quelques flocons peut-être demain en soirée. Donc, dans l'ensemble, ça prend votre pelte et il y aura de la neige dans les prochaines heures, environ 20 cm au total. Donc, j'ai dit, ça prend votre pelle et non votre pelte. Et on va donner un bon petit coup pour enlever cette neige qui nous tombe dessus et qui nous tombera au cours des prochaines heures. C'était Alain Bellumaire au pupitre pour votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Bonne fin de journée à notre antenne. Merci.